Coucou les Sindhous, j'espère vous passer un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 3 au 9 juillet. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout, n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies. Pour cette semaine, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Bien sûr, vous avez le droit de briller. Vous avez le droit d'être épanoui ou de vous sentir épanoui parce que dans tous les domaines de votre vie, tout va bien. Peut-être parce que vous vous êtes épanoui, peut-être au niveau sentimental. Vous avez peut-être laissé un petit peu le domaine professionnel de côté ou inversement. Hein. Mais en tout cas, vous avez le droit de vous sentir épanoui. Vous avez le droit de rayonner. Vous avez le droit de vous sentir bien, en adéquation, en accord avec ce que vous vivez. Donc, tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Oui, vous avez le droit de briller en amour. Vous avez le droit de briller au niveau professionnel. Oui, vous avez le droit. Bien sûr que vous avez le droit. Vous méritez même de rayonner. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors, ose contribuer comme tu le désires. Ben oui, osez contribuer comme vous le désirez au rayonnement des autres personnes, à la transmission de bonnes ondes autour de vous également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt une jolie énergie qui vous accompagne. Donc, vous allez rayonner cette semaine et c'est tant mieux. En tout cas, vous n'allez pas vous empêcher de rayonner. Ici, eh bien, on parle d'épanouissement, oui, on va rayonner, on va s'épanouir, on va se sentir bien. On va se sentir bien dans sa tête, on va se sentir bien dans son cœur, on va se sentir bien dans son corps. Bref, on va se sentir bien dans ses baskets. Donc ici, oui, on se sent bien, oui, on est épanoui. Oui, on va rayonner également. Donc oui, on... En ce moment, alors, au niveau amoureux, tout va bien. Si ce n'est pas au niveau amoureux, et bien au niveau professionnel, ben ça se passe bien aussi. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une promotion, que vous allez avoir une augmentation ou quoi que ce soit. Mais vous êtes dans des projets qui vous intéressent. Vous êtes en train de... vous travaillez avec des collègues qui sont sympas, qui sont force de proposition. Vous êtes créatif, vous êtes peut-être... complémentaire également. Donc vous voyez comme c'est résonné pour vous. Au niveau amoureux aussi, parce que vous avez trouvé quelqu'un avec qui tout se passe bien, vous êtes complémentaire, il y a vraiment, ça matche vraiment beaucoup entre vous. Donc oui, on s'épanouit au contact de l'autre. Eh bien c'est tant mieux, vous avez vous rayonné. Vous rayonnez et donc là on vous parle de bâton, de rivalité, de jalousie, de possessivité. Eh bien oui, forcément, quand on rayonne, quand on est épanoui, eh bien ici ça peut créer de la jalousie. Donc peut-être certaines personnes vont vous jalousez parce que ben, tout va bien pour vous, ça roule, il n'y a pas de problème majeur, il n'y a pas d'obstacle non plus. Donc ici, vous pouvez, oui, créer de l'envie, hein, en tout cas, peut-être qu'il va y avoir des envieux et des envieuses. Peut-être qu'ici, ben, peut-être que la personne qui s'intéresse à vous, peut-être dans le domaine sentimental, cette personne voit que vous rayonnez, ben, peut-être que cette personne-là ben, va se poser des questions, pourquoi il ou elle rayonne comme ça. Alors, ben oui, il faudra le rassurer en disant, ben, c'est parce que... ben, est-ce que notre relation se passe bien? Parce que donc ça peut être ça aussi, ou peut-être dire bah écoute moi je rayonne parce qu'en ce moment tout se passe bien dans ma vie ou au niveau professionnel tout se passe bien. Donc ici il faudra peut-être rassurer juste l'autre en face, mais vous risquez d'attirer oui de la jalousie ou en tout cas de l'envie. D'autres personnes voudraient peut-être être aussi dans ces énergies, se sentir épanouies, bien dans leur tête, bien dans leur projet, bien dans leur relation amicale ou sentimentale. Donc oui, il pourrait y avoir ce genre d'énergie, d'envie. Regardez comment ça peut résonner pour vous. Bon. On ne peut pas tout avoir. Hein. Donc ici, il y a un enrichissement. Donc ici, on se sent... Il y a vraiment... Voilà. Peut-être qu'ici, certains et certains d'entre vous, au niveau financier, bah oui, il va y avoir un enrichissement. Peut-être qu'ici, bah, vous allez toucher... vous allez avoir une promotion. Peut-être que vous allez avoir une augmentation. Peut-être que justement, bah, on va vous proposer pour passer à un grade supplémentaire. Donc il peut y avoir ce genre d'énergie également. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, vous allez vivre quelque chose qui va vous enrichir personnellement, qui va vous enrichir aussi au niveau... connaissance, au niveau relation, au niveau amical. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais en tout cas, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Ici, l'enrichissement, ce n'est pas uniquement financier. Hein. On peut s'enrichir de nouvelles relations, de nouvelles rencontres également. On peut s'enrichir par rapport à des connaissances également. On peut s'enrichir au niveau professionnel dans le sens où ben, on va faire partie des projets intéressants également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez comment vous vous sentez concerné par ça. En tout cas, ici, oui, c'est quelque chose qui va vous apporter
du mieux-être, ou en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre véritablement de vous sentir bien, de vous épanouir. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez vous sentir enrichi aussi, dans le sens où, bah, parce que vous allez vous séparer peut-être aussi d'énergies qui ne vous correspondent plus. C'est peut-être pour ça aussi qu'on va rayonner. On rayonne parce que, bah oui, on a su tourner la page, on a su couper avec des liens qui nous entravaient, avec des liens qui nous vampirisaient, avec des liens toxiques, avec des situations toxiques. Donc du coup, on se sent beaucoup plus riche, beaucoup plus léger et légère également. Donc oui, parce qu'on a fait, on a fait du nettoyage, on a purifié, on a modifié les énergies. Donc forcément, ben, on se sent mieux dans sa vie également. On a fait du vide pour remplir de nouveau. De nouveau l'espace, hein. L'univers a horreur du vide. Donc si vous avez coupé avec certaines amitiés, si vous avez coupé avec certaines situations, l'univers vous apportera de nouvelles rencontres, vous apportera de nouvelles amitiés, vous apportera de nouvelles situations à vivre également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ne vous en faites pas, ami cancer, tout va bien se passer. Et vous avez bien fait de couper avec ce qui ne vous concerne plus, avec ce qui est peut-être vous considérez comme, comme énergie devenue toxique. Ici, bah oui. On est épanoui parce qu'on s'enrichit. On s'enrichit dans de nouvelles relations, on s'enrichit comment dirais-je, de rapports humains. Hein. On s'enrichit parce que bah, on est épanoui, parce que la vie nous va bien, parce qu'ici on rayonne plutôt, donc on se sent bien. On s'enrichit par rapport aux énergies. Donc ici, oui, on nous fait confiance. La richesse ici, on reçoit de la confiance, on reçoit de belles. Oui, de belles énergies, comment dirais-je, de belles émotions également. Bah oui, on rayonne, on se sent bien. On se sent bien dans sa tête, on se sent bien dans son cœur, on se sent bien aligné par rapport à nos envies. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Quand on est dans des énergies comme ça, bien sûr qu'on ne peut que se sentir riche en tout cas. Donc oui, la richesse n'est pas forcément un gain, n'est pas forcément de l'argent. Ça peut être un état d'esprit, ça peut être des énergies autour de soi, ça peut être plein de choses en fait. Ici, on vous dit que oui, vous allez couper avec des rivalités, vous allez couper avec des jalousies, vous allez couper avec des personnes qui pourraient se montrer possessives envers vous. Peut-être qu'ils voudraient aussi s'attribuer, récupérer vos énergies également. En tout cas, ici, oui, on coupe. On s'aperçoit que certaines personnes, ben peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont révéler leur vrai visage, qui vont faire tomber les masques aussi. Vous allez dire, ben non, finalement, c'est pas bon, ça, c'est une relation qui est pas saine. Cette personne, elle m'envie, elle est jalouse, alors qu'il y a pas, alors qu'il y a rien de, il ne se passe rien d'extraordinaire dans ma vie. C'est juste vous qui êtes dans cette énergie de rayonnement. Et peut-être que l'autre personne, ben, elle ne supporte pas que vous soyez joyeux, que vous soyez heureux également. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Ici, on va donc se couper, on va donc se séparer d'une énergie, d'une personne qui peut se révéler toxique, en tout cas quelqu'un qui va révéler son véritable visage. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, bah, ça va vous faire doublement rayonner, puisqu'en fait, vous allez vous débarrasser d'énergies négatives, en fait, pour laisser que des énergies positives. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal comme énergie ici. Vous transformez votre vie, vous faites du ménage. Voilà pour vous, amis cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, ici, les scorpions. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est le bélier qui vient vous délivrer un message. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. Ben oui, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser, ami scorpion? Qu'est-ce que vous voulez mettre en action ici qui vous permettra de concrétiser vos rêves, de matérialiser vos envies, d'accord? Donc, c'est le moment d'écouter votre intuition et vos aspirations pour vous réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Ben oui, vos rêves sont légitimes, bien sûr, même si ça peut paraître fou pour certaines personnes, mais ça peut, même si ça peut paraître utopiste ou complètement irréalisable, mais vous avez le droit d'avoir des rêves, vous avez le droit d'avoir des envies.
Donc, n'hésitez pas à en faire part. Je suis sûre qu'il y a peut-être des personnes qui vous diront, bah oui, moi aussi, je pense comme toi, ou moi aussi, j'ai le même rêve que toi. Donc, le fait d'en parler, peut-être qu'ici, bah, ça va permettre à d'autres personnes de se libérer aussi de certains rêves qui pourraient paraître loufoques à certaines personnes. Donc, ici, n'ayez pas honte, amis scorpions, de vos envies, de vos rêves, de ce que vous avez envie de réaliser. Attendez, je vais allumer la lumière. Donc, oui, n'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur de ce que vous voulez mettre en place. Donc, n'ayez pas peur, non, d'aller vers ce qui vous inspire, d'aller vers ce qui vous fait véritablement rêver. Ici, on vous parle de quoi? Ben oui, voilà, les plaisirs. Ici, il y a vraiment une reconnexion au plaisir, à ce qui nous fait plaisir. Donc oui, peut-être que vous étiez bridé jusqu'à présent, et là, on vous dit non, ne te bride pas, va vers ce que te fait envie, va vers ce que tu veux réaliser, va vers ce qui te fait plaisir. Donc ici, c'est reprendre confiance en soi aussi. Avec le rideau jaune ici, c'est je reprends confiance en moi, je reprends confiance en mes émotions aussi, et je vais vers ce qui me fait plaisir. Alors que ce soit un plaisir au niveau peut-être gustatif, hein. Je vais faire créer de nouveaux plats, je vais tester de nouvelles choses également. Plaisir peut-être par rapport à de nouvelles activités, par rapport à de nouvelles passions aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a une reconnexion aussi à ses envies, à ses passions, au plaisir. Carpe diem, on n'a qu'une vie, hein. Donc ici, oui, c'est vraiment au moment présent, hein. C'est maintenant, vous dites que c'est maintenant que vous devez profiter, c'est maintenant que vous devez vivre ce que vous avez à vivre également. Donc ici, oui, c'est je prends plaisir à vivre l'instant présent. L'instant présent est un cadeau, donc je prends plaisir à profiter des belles énergies que cet instant présent m'offre en fait, hein. Donc ici, oui, je me reconnecte à l'instant présent. Ces belles énergies, et justement, je profite de chaque minute qui m'est donnée. Peut-être par rapport à du plaisir, peut-être par rapport, bah, tout simplement, je m'assois à une terrasse de café et je sirote un bon café ou un bon thé ou un coca frais, je sais pas ce qui vous fait plaisir, et puis je ferme les yeux et je suis bien, je suis bien. Au moment présent, je suis bien à savourer ma boisson, à écouter peut-être les bruits de conversation autour de moi, je suis bien à écouter le gazouillis des oiseaux, je suis bien à ressentir cette petite brise qui vient caresser ma nuque alors que j'ai chaud, alors qu'il fait très chaud. Donc vous voyez, ici oui, c'est se reconnecter à ce genre de petits plaisirs également, des petits plaisirs de la vie, d'accord? Donc ici oui, et on les vit au moment présent. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Ici, on élabore, on est en train de réfléchir, on est en train de peut-être de comment dirais-je, de oui, de réfléchir à la conception de projets, à la manière de comment les planifier, comment les construire, comment les créer également. Donc ici, on va élaborer peut-être des stratégies, peut-être pour justement passer à l'action et faire ce qu'il y a à faire également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il peut y avoir de ça. Donc on élabore, on réfléchit, comment dirais-je, on est en gestation en fait, hein. On mûrit ses projets, on mûrit ce que l'on veut vivre, on mûrit ce que l'on voudrait créer, ce qu'on voudrait concrétiser. Donc on élabore un projet, on élabore quelque chose qui pourrait apporter un changement, qui pourrait apporter une évolution, qui pourrait peut-être transformer votre vie, ou peut-être transformer un projet professionnel, qui pourrait, bah, peut-être qu'ici on réfléchit à quelque chose que l'on pourrait mettre en place justement, et on sait que ça apportera forcément du changement, ou justement parce que on veut aller vers du changement, parce qu'on veut aller vers une évolution dans sa vie, et bien on est en train de réfléchir à comment à faire justement pour transformer, pour construire, pour modifier, pour changer en fait, hein, pour peut-être ici comment dirais-je, initier le début du changement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis scorpions, mais oui, et c'est plutôt joli comme énergie ici. Ici, bah oui, on prend plaisir à élaborer, on prend plaisir à réfléchir, on prend plaisir à se reconnecter à ses envies et à voir comment on pourrait les conceptualiser, comment on pourrait les créer, comment on pourrait les mettre en place. Donc ici, oui, on prend plaisir à imaginer également ce que l'on pourrait créer, ce que l'on pourrait vivre aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais c'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal ici, hein. Donc oui, on élabore, on construit, on réfléchit,
On mûrit des projets, des idées qui nous font plaisir également. Donc ici, peut-être qu'aussi le fait d'élaborer, c'est-à-dire on s'apprête à passer à l'action, ça y est, on s'apprête à se lancer, eh bien ça nous fait plaisir aussi parce qu'on sait qu'on n'a pas créé, on se lance pas, enfin, on n'a pas réfléchi en vain. On sait qu'on va véritablement, comment dirais-je, créer derrière, on va véritablement transformer l'essai en tout cas. Donc ce que l'on veut mettre en place. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc ici, eh bien oui, on sait, c'est maintenant, c'est ici et maintenant que je dois transformer, que je dois provoquer le changement, que je dois être à l'initiative du changement, de cette transformation. Je dois, c'est maintenant, à ce moment maintenant, que je dois métamorphoser quelque chose dans ma vie. Donc ici, oui, il y a une volonté d'évoluer, il y a une volonté de mettre en place, et on sait que c'est maintenant. Ça n'a rien à voir avec les idées passé, on va se servir peut-être des expériences passées, de ce que l'on a appris également. On se projette pas dans le futur, non, parce que sinon on risquerait de se mettre la pression. Pour l'instant, on en est au présent, on n'a pas encore commencé à mettre quoi que ce soit en place. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. Au moment présent, on va apporter du changement pour évoluer, pour transformer, transformer par rapport à nos inspirations, par rapport à nos envies, transformer par rapport à ce qui nous fait plaisir ou ce qui nous ferait plaisir justement pour faire évoluer, pour apporter du mieux dans sa vie, pour s'épanouir tout simplement, pour s'épanouir et pour se faire plaisir parce qu'on a repris confiance en soi, parce qu'on a repris confiance en son pouvoir également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis scorpions, mais c'est plutôt pas mal, hein. On se relie vraiment au plaisir d'apporter du changement. C'est carrément, oui, on a plaisir à transformer certaines choses. Alors ça peut être transformer juste la décoration de votre appartement, mais on y prend plaisir, du coup, parce qu'on sait que ça change les énergies, mais ça nous fait du bien parce que ça renouvelle, en tout cas, hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Amis scorpions. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la transformation. Donc, accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Ici, oui, accepter de muer finalement, hein. Accepter de changer de peau, laisser votre ancienne peau derrière vous pour aller vers le changement. C'est exactement ce que l'on vous dit ici. Donc, abandonner ce qui ne vous correspond plus, abandonner des énergies ou des formes de pensée, des fausses croyances ou même laisser derrière vous des personnes qui sont devenues toxiques ou avec qui vous n'arrivez plus à communiquer ou vous apercevez que quoi que vous disiez, ben, vous n'arrivez même plus à vous entendre, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Donc, laissez derrière vous certaines choses du passé qui ne sont plus représentatives de ce que vous avez envie de vivre, en tout cas. Donc, tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Donc, oui, accueillez-vous. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de vous métamorphoser. Vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez vers quelque chose de complètement nouveau. Donc ici, bah oui, vous avez changé, prenez conscience, mais de toute façon, on change tout le temps, hein. La personne aujourd'hui que vous êtes, qui est en train de changer, bah, n'est pas la même qui avait, qui est, que, vous n'êtes pas la même personne que vous étiez l'année dernière non plus, hein. Autant vous avez changé, vous avez compris certaines choses, vous avez expérimenté, vous avez digéré, vous avez fait le point, vous vous êtes remis en question. Donc oui, il est temps maintenant de continuer ce changement, de continuer cette évolution. On est en constante évolution tout au long de notre vie, puisqu'on progresse, puisqu'on est là pour apprendre également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, hein. Maintenant, il est temps d'accueillir le renouveau, le temps d'accueillir la nouveauté, ce vers quoi vous avez véritablement envie de vous diriger. Ici, bah oui, peut-être que vous étiez enfermé, peut-être que vous résistiez à cette évolution, à ce changement. Peut-être qu'ici, bah, peut-être parce que vous vous sentiez enfermé, vous vous sentiez à l'étroit dans une situation, dans une relation aussi. Ça y est, bah, vous dites non, maintenant c'est bon, je veux aller vers quelque chose d'autre. Je veux aller vers quelque chose qui me ressemble, je veux aller construire par rapport à mes envies, par rapport à mes idéaux également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, il y a vraiment ce genre d'énergie ici. Je me sentais enfermée, je me sentais vraiment
à l'étroit et je veux aller vers quelque chose d'autre. Je veux m'ouvrir. Ici, c'est je veux m'ouvrir, je veux prendre mon envol, je veux me libérer, je veux retrouver une forme de liberté, aussi une liberté de penser, une liberté de créer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, il y a la roue du destin, c'est un cycle, c'est un changement. Je vais y mettre plus de lumière parce que j'ai l'impression qu'ici, moi je vois très bien, mais je ne suis pas sûre que vous, vous voyez assez. Donc oui, il y a le changement, la roue qui tourne. Bah oui, parce qu'on prend conscience qu'on s'était enfermé peut-être dans des formes de croyances, on s'était enfermé peut-être dans des faux semblants également. Donc ici, oui, la roue elle tourne en votre faveur. On prend conscience de ce que l'on veut mettre en place. On prend conscience qu'on est en train de changer aussi, ou qu'on veut ce changement, ou qu'on va être à l'origine de ce changement également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poisson, mais oui, on ne veut plus être dans ces énergies-là, on veut changer, on veut évoluer, on veut avancer. La roue, c'est la roue qui tourne, oui, mais c'est la roue qui tourne pour avancer. Ici, on veut avancer, on ne veut pas reculer. Peut-être qu'ici, justement, on se sentait enfermé dans un passé, dans des énergies qui ne nous correspondaient plus. Et ici, on ne savait pas trop comment faire pour s'en sortir. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir déclencher les choses et vous n'allez pas vous faire prier, vous allez sauter sur le changement, sur l'occasion d'aller vers ce changement, le changement que vous désirez en tout cas. Ici, on vous dit que oui, vous allez retrouver de la sérénité. On va se sentir de nouveau serein et sereine. On va se sentir aussi avec l'olivier, avec l'arbre aussi. Ben, l'olivier, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est l'arbre de la sérénité, l'arbre de la paix, hein, parce que la colombe de la paix a un rameau d'olivier dans son bec. Donc ici, on est surtout ancré, on est bien aligné avec soi, on est bien ancré par rapport à ses envies, par rapport à qui l'on est, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Donc du coup, ben, ça apporte de la sérénité. Du coup, on se sent en paix avec ce que l'on a envie de vivre, on se sent en paix avec ce qu'on a envie de créer, on se sent en paix par rapport au changement qu'on veut mettre en place, ou ce changement qu'on voit, que l'on observe arriver dans sa vie également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt sympa. Et oui, il va y avoir une surprise, il va y avoir quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver, qui va être le déclencheur de cette prise de conscience que l'on veut aller vers quelque chose. Ou justement, c'est parce que vous prenez conscience que vous voulez transformer votre vie, vous voulez du changement, vous voulez sortir. Oui, il y a trop longtemps que vous êtes enfermé dans une routine, dans des habitudes. Donc ici, oui, on veut franchir un cap, on veut avancer. Et ici, il y a quelque chose qui va vous y aider en fait, hein, qui va être comme un déclencheur. Et ça va vous apporter la paix parce que vous allez dire, bah ouais, finalement, c'est exactement ça. Je veux peut-être un petit peu mettre du chaos dans ma vie. Ça, le chaos peut-être vous apporter de la sérénité en disant, bah ouais, ça y est, il y a quelque chose qui va me stimuler. Je vais peut-être sortir. Oui, ça va m'obliger de sortir de ma zone de confort. Mais ouais, vous allez vous sentir vivant et vivante et vous savez que vous êtes prêt et prête à passer à l'étape suivante. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt de jolies énergies. Ici, par rapport à une situation d'enfermement, ici, on va retrouver la sérénité. Bah oui, ok, j'étais dans ces énergies-là, je me sentais enfermée, je me sentais pas bien, mais parce que je veux aller vers ce changement, parce que je prends conscience aussi que je suis en train de changer, que je ne suis plus dans les mêmes idées, je ne suis plus dans les mêmes énergies. Donc ici, bah ouais, je vais aller vers de la sérénité. Je retrouve de la paix à l'intérieur de moi. Je me retrouve en paix. Donc ici, oui, l'enfermement, ne me représente plus. Au contraire, je me suis libérée. Hein. Je suis cet oiseau qui s'est libéré et qui est serein, qui est en paix avec ce qu'il vit et qui est dans l'accueil du changement aussi. Bon, écoutez. C'est joli. Ici, il y a du changement. Il y a quelque chose qui change. On termine un cycle. On va vers une évolution. Et c'est un imprévu. On va vers l'imprévu aussi. Hein. On va vers l'imprévu. On va vers l'inconnu. On part vers de nouvelles aventures. Mais en tout cas, on en a besoin. C'est un appel, en fait, ici. C'est même plus fort que vous, j'ai envie de vous dire. Donc oui, on va vers l'imprévu, vers l'inattendu. Il y a un événement aussi, peut-être inattendu, qui va provoquer ce changement. Mais en tout cas, vous allez l'accueillir plutôt avec enthousiasme, avec envie. On a véritablement envie d'y aller. On a besoin d'y aller. Ça va nous sortir de notre routine. Ça va nous sortir d'une forme de frustration aussi. Peut-être que vous étiez frustré parce que vous n'arriviez pas à trouver le courage pour aller vers ce changement. La vie va provoquer ce changement. La vie ne va pas vous attendre. Va dire, bon, ok, tu hésites, ben, on va y aller. Alors, tu hésites, même si tu as envie.
Mais bon, la vie va se charger de vous amener ce changement, en tout cas de vous pousser vers ce changement. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.